مشاهدينا على القناة الوطنية الأولى وكانال الجيري وكذلك على قناة الذاكرة، مرحبا بكم في هذه الحصة الخاصة التي يقترحها التلفزيون الجزائري سهرة هذا الثلاثاء. سيعرض عليكم حصريا على قنوات التلفزيون الجزائري الفيلم الملتزم ليف بواسي لا تونطا، الذي منع من البث لسنوات لأنه يروي أحداث اختطاف واغتيال الناشط السياسي والمناضل المغربي مهدي بنبركة يوم 20 أكتوبر من سنة 1965 بالعاصمة الفرنسية باريس. هي عملية أخرى من بين العمليات القذرة التي يلجأ إليها نظام المخزن الجائر لتحقيق مراميه غير الشرعية وقمع كل من أراد أن يقول كلمة حق ولو تعلق الأمر بواحد من أبنائه الأوفياء. لنا لقاء معكم بعد ساعتين من الزمن لمناقشة أحداث هذه القذرة. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'avoir choisi d'être parmi nous sur Canal Algérie. Vous nous regardez également sur la chaîne nationale El Oula et la chaîne Dakira, la chaîne de la mémoire, pour une soirée spéciale que vous propose la télévision algérienne à travers la diffusion exclusive du film Engagé l'attentat de son réalisateur Yves Boisset, un film qui a subi une censure et une interdiction de diffusion. Parce qu'il retrace l'histoire de l'enlèvement et de l'assassinat du militant et opposant politique marocain Mehdi Bembarka le 29 octobre 1965 à Paris. C'est là une autre affaire, une autre opération répugnante menée par des barbouzes, des bandits à la solde du régime Makhzen, un régime aux abois qui n'hésite pas à pratiquer des méthodes sauvages et barbares pour assouvir ses ambitions militaires et expansionnistes. Nous allons bien sûr vous retrouver après deux heures de temps pour avec nos invités sur le plateau de Ciné Thématique, une spéciale encore une fois. Marhaba bikoum, mouchahada taïba, à la canawat télévision. مشاهدينا على قناة الأولى الوطنية ومشاهدينا على قناة كانال الجيري وكذلك قناة الذاكرة على شان دو لا ميموار، مرحبا بكم مرة ثانية على بلاتو سيني تيماتيك، هذه الحصة الخاصة التي يقترح عليكم التلفزيون الجزائري عبر البث الحصري للفيلم الملتزم والذي منع بثه لسنوات، فيلم لاتونتا لإيف بواسي والذي يروي أحداث اختطاف واغتيال الناشط السياسي والمناضل المغربي مهدي بنبركة يوم 29 أكتوبر 1965 بالعاصمة الفرنسية باريس. سوف نناقش هذه القضية وهذه الجريمة الشنعاء مع ضيوفنا الذين هم معنا اليوم على بلاتو سيني تيماتيك. Bonsoir à toutes et à tous. On est de retour sur le plateau de votre émission spéciale que vous propose la télévision algérienne à travers la diffusion inédite, j'allais dire exclusive, du film L'attentat de son réalisateur engagé Yves Boissier, qui bien sûr raconte ou qui bien sûr nous montre comment le régime du Makhzen a assassiné l'un de ses fils, le fils du Maroc, Mehdi Bembarka, l'opposant, le militant politique, le 29 octobre 1965 à Paris devant cette fameuse brasserie Lip. Nous allons débattre avec nos invités ce soir, ceux qui ont accepté d'être parmi nous. Je commence par bien sûr notre invité, monsieur Redouane Khlif. Vous êtes analyste des questions politiques, mohallel fil majal siyasi. Marhaba bikoum. Shukran, ahlan wa sahlan. Bonsoir à vous, à vos invités et aux téléspectateurs. À côté de vous, bien sûr, il y a monsieur Filali Kamel qui nous vient de Constantine. Merci pour le déplacement. Vous êtes expert dans le droit international et professeur à l'enseignement ou dans l'enseignement supérieur. Khabir fi al-qanoun al-douali wa oustad bil jami al-jazaïria. Marhaba bikoum. Shukran al-da'wa et bonsoir. Bonsoir à vous, à vos invités, aux téléspectateurs en même temps. Merci, monsieur Filali. Et bien sûr, Hassan Arab, journaliste et spécialiste des questions de l'histoire. Hassan Arab, مختص في قضايا التاريخ بكانال الجيري وكذلك بقناة الذاكرة لأنه les dossiers de la mémoire, c'est une émission qui est diffusée sur les deux canaux, à savoir Canal Algérie et le dimanche, bien évidemment, sur la chaîne de la mémoire. Bienvenue, Hassan. Bien sûr, mesdames et messieurs, nous aurons l'opposant marocain Mustapha Adib à partir de Washington. Il témoignera, il nous parlera justement de l'impact de cette affaire crapuleuse sur lui-même et sur le peuple marocain. Et nous tenterons de joindre, bien sûr, monsieur Bernard Schmitt, qui est un avocat franco
allemand et qui est quelqu'un qui est humaniste et qui a un regard sur ces affaires qui ont ébranlé, bien sûr, le tiers-monde. Messieurs, on était en train de regarder le film avec beaucoup d'émotion, c'est clair. Et on se parlait, on se disait entre nous que ce soir, il faut peut-être commencer par un hommage. Un hommage à ces hommes et à ces femmes qui, à travers leur art, hein, le cinéma, l'image et le savoir-faire artistique aussi, parce qu'il y a de l'émotion, il y a de l'interprétation, ont porté des questions comme celle de ce soir, des questions graves de l'humanité, mais des questions aussi qui dénoncent des crimes d'État, parce qu'on parle aussi d'un crime d'État ou des crimes d'État, pour être aussi dans ce qui a été démontré dans ce film. Yves Boisset a dû peut-être essuyer la censure, l'interdiction de diffusion Hassan, et ça nous rappelle aussi les réalisateurs qui se sont engagés pour la cause algérienne durant la colonisation. On parle de Cécile de Cugis, de René Vautier, de Chenderly, de Moussaoui, de Mohamed Yazid, qui ont fait confiance à l'image et ils savent pertinemment que l'image, le cinéma, fait valoir les causes justes de l'humanité. Je commencerai avec vous, peut-être, monsieur Kamel Filali, pour un décryptage sur le cinéma, la nécessité de ce cinéma utile et essentiel. Merci. Moi, je pense, et j'ai beaucoup de conviction dans ce sens-là, qu'il y a un message et le message est passé. Comme je le dis toujours dans de pareilles circonstances, il y a un message transgénérationnel. Effectivement. Et le contrat transgénérationnel entre les générations passées, ceux qui ont mené la lutte, et le cas présent, par exemple, aujourd'hui, en plus des jeunes à venir. Donc il y a ce message qui continue à défiler à travers l'histoire et à être compris. Parce qu'il ne faudrait pas uniquement constater qu'il y a un message, mais il faudrait le comprendre et à partir de là, en faire aussi un leitmotiv. C'est ce qui a été fait avec ce film qu'on a vu avec beaucoup d'émotion. On est revenu vers le passé, notre passé colonial. On a vu à peu près comment on a réagi avec nos glorieux Shuhada et Mujahideen qui ont eu le sens du sacrifice. Oui. Parce que le sacrifice, ce n'est pas facile d'en trouver une expression dans un mouvement de libération, etc. Donc, nous avons non seulement eu cette notion de sacrifice, cette notion de lutte, cette notion aussi de lutter pour un idéal qui reconnaît les droits de l'homme. Qui reconnaît les droits de l'homme. Pourquoi? Parce que Mehdi Ben Barka, Allah yarham, et les autres, donc, qui appartiennent à tous les continents, parce que nous étions, par exemple, on se rappelle de l'Amérique latine qui faisait passer des films comme Continent en flammes et qui montrait quand même les réactions de la population, la réaction d'une société différente de celle qui active, qui activait ou qui donnait des ordres. Oui. Et donc, nous avons vu en Afrique aussi comment l'ébullition a suivi. Et dans notre propre pays, nous avons vécu une ère coloniale très brutale, très violente. Et nous sommes quand même parvenus à faire valoir nos droits en tant que peuple, grâce à notre autodétermination. Et on a inspiré d'autres peuples. Et on a inspiré d'autres. C'est là le grand message. Pourquoi j'ai dit au départ qu'on continuait, on continuait dans l'histoire. L'histoire étant un passé, un présent et un monsieur futur. Monsieur Filali, vous me tendez la perche. Parce que tout à l'heure, avec monsieur Radouane Khalif, on regardait le film et il me disait qu'il y avait des connexions dans le film. Parce qu'on retrouvait bien sûr Jean-Louis Trintignant. Qui a
fait déjà avec Ahmed Rajdi L'Opium et le Bâton, un autre film qui a dénoncé ce que faisait le colonialisme en Algérie, les exactions du colonialisme, le déracinement de tout un peuple, vouloir enlever une identité à un peuple, une personnalité à un peuple. Et vous me dites, Amir, il va falloir commencer avec ça parce que c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui d'avancer. Et c'est le but d'une télévision publique, c'est de soutenir ce genre de produits, ce genre de films. Et l'Algérie a été toujours au devant de la scène parce que dès son indépendance, l'Algérie a été la Mecque des révolutionnaires, mais aussi la Mecque des cinéastes engagés. Oui. Une production cinématographique forte, parce que c'est le premier véhicule pour une histoire, surtout comme celle de l'Algérie ou de beaucoup de pays dont l'Algérie a abrité le révolutionnaire, à transmettre aux nouvelles générations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos jeunes, pas nous, nous avons vécu un peu ces terres. Nous sommes marqués par le film L'Opium et le Bâton avec Jean-Louis Trintignant, oui, avec tous les acteurs et les comédiens du réservoir, excusez-moi le terme, du théâtre algérien. On garde toujours l'expression Ali Moutouagef. Effectivement. Et donc là, ça nous marque. Et pour les générations d'aujourd'hui et les générations futures, avec les guerres de quatrième génération qui ont pour but la désinformation, la diffamation de l'histoire. Donc on doit protéger nos jeunes, nos générations futures par une production cinématographique forte et qui est là, alhamdoulilah. On a beaucoup de cinéastes, beaucoup de réalisateurs algériens qui ont fait vraiment des films, des travaux, des documentaires retraçant l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la Révolution même. Oui. Et donc il faut continuer dans cette lignée pour préserver nos jeunes de ces attaques ciblées et très étudiées de la part de beaucoup qui nous veulent du mal. Hassan Arab, on parle toujours avec vous, bien sûr, de la nécessité du documentaire, de l'histoire à travers des supports comme celui du cinéma qui est très très important parce que les jeunes d'aujourd'hui assimilent beaucoup plus les questions de l'histoire à travers le cinéma. Il y a du jeu, il y a de la comédie, mais vous me dites, Amir, il y a eu de la censure et quand il y a de la censure, des comédiens peuvent payer le prix fort, ce sont des comédiens blacklistés, c'est le mot. Ils sont blacklistés en Occident, voire dans d'autres pays, ils ne jouent pas parce qu'ils ont voulu dénoncer des faits comme celui qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est ces crimes d'État, ces crimes crapuleux. On fait appel à des barbouzes, à des voyous pour exécuter des hommes très intègres qui veulent que du bien pour leur peuple. Hassan, aujourd'hui on le diffuse sur Canal. Et c'est tout à fait normal que l'Algérie s'inscrit dans cette démarche. Vous l'avez dit, Menebesh, qu'on surnomme l'Algérie la Mecque des révolutionnaires. Ce n'est pas une image de style, une figure de rhétorique quand on dit l'Algérie, parce que ce n'est pas une exception également que de diffuser ce film sur la télévision algérienne, parce que rappelez-vous, jusqu'à aujourd'hui, il y a le festival du film engagé en Algérie. Donc, et puis, il n'y avait pas que la télévision qui diffusait ce type de film, mais aussi la cinémathèque algérienne a été ouverte et elle reste ouverte pour ce type de film. Donc je pense que ce n'est pas une exception. Effectivement, et des réalisateurs comme Costa Gavras, comme Youssef Chahine sont venus en Algérie pour pouvoir, messieurs, faire leurs films qui ont été interdits dans leur propre pays. Et je vais peut-être, mesdames et messieurs, faire réagir Mustapha Adib qui est à partir de Washington et j'ai envie de lui poser cette question. Mustapha Adib, si vous m'entendez, j'ai envie de vous faire réagir sur d'abord le film. Que représente ce film par rapport à vous personnellement? Est-ce que vous l'avez déjà vu et que représente ce film interdit au Maroc, monsieur Mustapha Adib? Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, vos téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Malheureusement, je n'ai pas vu le film et je vais m'attacher de le voir. Par contre, j'ai vu d'autres documentaires sur l'affaire Nadine Barka. J'ai lu beaucoup de littérature là-dessus, beaucoup d'articles. Oui. Je connais des membres de la famille, je connais son avocat. Et donc, quand j'étais en France, il m'a été permis d'avoir beaucoup de choses sur cette affaire pour laquelle je sens un étonnement, une amertume vis-à-vis du régime français qui, depuis Charles de Gaulle jusqu'au socialiste François Hollande,
n'ont rien fait pour éclairer cette affaire et rendre justice aussi bien à Mehdi Boubaka qu'à sa famille. J'ai entendu parler que vous avez fait passer le film L'Attentat, qui a été interdit. Ça ne fait qu'en confirmer le courage et la détermination du peuple algérien et de ses institutions, aussi bien audiovisuelles que étatiques, dans sa lutte pour aider les autres peuples à s'autodéterminer et à disposer d'eux-mêmes. Donc ce n'est pas étonnant pour moi de voir les chaînes algériennes passer ce genre de film, et je vous en remercie beaucoup. Vous intervenez quand vous le souhaitez, bien sûr, M. Mustapha Adib, dans notre émission. ونحن نقوم بعملنا لتحضير هذه الحصة بغض النظر عن موضوعيتنا الإجبارية في مثل مهامنا الصحفية. Nous sommes des journalistes et nous avons bien sûr obligation d'être objectifs. C'est normal, c'est l'éthique du métier et ce sont les principes du métier, mais ça ne nous a pas échappé ou ça nous a tellement ébranlé de voir dans ce film, notamment dans la scène où on l'a enlevé, M. Mehdi Boubaka, le militant, l'opposant, le mathématicien, on l'a enlevé et on l'a séquestré et assassiné, alors que lui, Hassan, il ne voulait que concrétiser un rêve, c'est d'être parmi les siens, parmi son peuple, retrouver sa terre natale et faire avancer les choses dans son pays, développer son pays et arriver peut-être à cet idéal dont tous les peuples qui se sont décolonisés ont rêvé un jour, c'est celui d'une union, parce qu'on parle aussi de cette fameuse conférence qu'il devait mettre sur pied à Cuba. Qui est Mehdi Boubaka? Pourquoi on a voulu tuer cet homme? C'est ça ma question à vous trois. Pourquoi cet homme a suscité toutes ces connexions terribles, des voyous, des services secrets, tous étaient derrière Boubaka, le régime de Marzen qui commanditait ça? Qui est Mehdi Boubaka, M. Hassan Aqab? Éliminer Mehdi Boubaka, pour le régime marocain à l'époque, était inéluctable. Pourquoi? Parce que Mehdi Boubaka connaît mieux que quiconque la réalité du régime des apparences marocain. Oui, le régime marocain est un régime d'apparence qui a une arrière-boutique faite de complots, d'intrigues. C'est l'arbre qui cache la forêt, c'est la partie apparente de l'iceberg. Comme on l'a tout à l'heure dit, c'est comme un vernis qui suffit juste de gratter un peu, on tombe sur cette bête féroce. Et Mehdi Boubaka était l'une des rares personnalités marocaines à connaître, à être au fait de cette réalité contradictoire qui traversait le Marzen d'une manière, générale. Ça sur le plan interne, mais sur le plan international, Mehdi Boubaka dérangeait les intérêts que défendait Hassan II pendant des années, le système néocolonialiste, parce que elle était président de l'organisation de la tricontinentale. Les trois mois qui ont précédé son arrestation. On explique peut-être pour les téléspectateurs, Hassan, la tricontinentale devait se concrétiser en 1966, c'est-à-dire une année avant. Après son assassinat, c'est-à-dire en 65, Boubaka était pleinement engagé dans cette idée-là de mettre sur pied quelque chose qui devait solidariser et les peuples d'Afrique, et les peuples d'Asie, et les peuples d'Amérique latine. Donc, d'ailleurs, les trois mois qui ont précédé, il était très très occupé à préparer cette réunion qui devait se tenir à La Havane. Donc, il avait fait donc des déplacements à La Havane, en Chine, mais aussi en Égypte, en France. Là, on voit des photos avec Jamal Abdennasser. Exactement. Avec, donc, il préparait cette réunion à laquelle il s'est complètement sacrifié parce qu'il voulait que cette rencontre réussisse.
dans l'intérêt de ces peuples opprimés, ces peuples du tiers-monde. Et Mahdi Ben Barka rêvait en grand pour tous ces peuples. C'est pourquoi il y avait des interconnexions. Donc il avait dérangé non seulement donc, le Marzen, mais aussi des intérêts des alliés du Marzen, comme le Mossad, donc l'entité sioniste, et tous les régimes qui ont soutenu le néocolonialisme. J'ai envie de faire réagir M. Mustapha Adib. Encore une fois, je rappelle que vous êtes exilé, vous êtes actuellement à Washington. Je posais la question à mes invités sur la nature de l'homme, la personnalité de Mehdi Ben Barka. Pourquoi tant d'acharnement, bien sûr, par le régime du Marzen à vouloir exécuter rapidement cet homme qui finalement ne voulait que du bien pour son propre pays? Alors Mehdi Ben Barka n'est pas né opposant. Comme tous les opposants du monde, personne ne naît opposant. Il le devient par la suite à des injustices qu'il vit ou qu'il observe. Et donc Mehdi Ben Barka, au début, il était royaliste, il était pour la monarchie marocaine, et donc il a même travaillé à côté de Mohamed V pour, soi-disant, l'indépendance du Maroc. Et ce sujet, moi, je suis contre cette appellation d'indépendance du Maroc, parce que le Maroc n'a jamais été occupé. Et donc, pour moi, il n'y aura jamais eu d'indépendance. Nous, nous avons été vendus suite à un traité de protectorat qui protégeait des rois traîtres. Donc, c'est des rois qui refusaient de laisser le pouvoir au peuple marocain. Et donc, ils ont fait appel à des puissances étrangères, françaises et espagnoles en l'occurrence, pour rester au pouvoir. Et ce traité de protectorat, il est valide jusqu'à ce jour. Parce qu'un traité de protectorat ne peut être annulé que par un traité similaire ou par la rétractation d'une partie de ce traité. Je crois que le professeur ici présent pourra nous en dire plus, mais je suis quasiment certain qu'un traité de protectorat ne peut être annulé que par un autre traité, chose qui n'est pas faite aujourd'hui au Maroc. Le traité du protectorat, il est publié au bulletin officiel marocain et au journal officiel français. Et là, déjà, on peut faire la différence. Pourquoi les Français, ils ont un journal officiel et nous, au Maroc, on n'a qu'un bulletin officiel, alors qu'en France, les bulletins officiels sont des bulletins qui relèvent d'entités inférieures à l'État français. C'est-à-dire le ministère, par exemple, de l'enseignement en France, ils ont des bulletins officiels, un bulletin officiel, chose qui est au Maroc aussi. Donc, ce traité de protectorat, il est toujours valide. Oui. Donc, du coup, il n'y a jamais eu d'indépendance. Alors Mehdi Ben Barka, pour moi, pourquoi il a été ciblé par Hassan II, moi je pense qu'il y avait une sensibilité entre les deux hommes qui a fait pousser la rage de Hassan II et à vouloir en finir. Parce qu'il y avait des opposants avant Ben Barka, il y avait des opposants plus fervents, plus puissants. Et Hassan II n'est pas allé avec tous, en tout cas il en a tué pas mal, mais il ne les a pas tous tués. Monsieur Mustapha Adib, on va excusez-moi de vous avoir interrompu, mais j'ai envie de poser justement la question à Monsieur Filali Kamel, parce qu'on parle d'un contexte, hein, parce que si, pour définir peut-être Ben Barka, son rôle, ses objectifs, ses aspirations hein, aussi, il faut peut-être revenir à cette période. Et ce qui est marqueur dans cette période, bien sûr, on est en 1965, l'Algérie venait d'arracher son indépendance. Il y a un mouvement de décolonisation qui touche toute l'Afrique, inspiré encore une fois par le combat libérateur de tout un peuple qui est le peuple algérien. Il y a des objectifs, bien sûr, par des gens intègres et militants politiques, comme a dit Ben Barka. Est-ce que vous pensez que le contexte qui était favorable justement à l'émancipation des peuples dérangeait le régime de Marzen? Il ne fallait pas qu'on arrive à s'émanciper. Il ne faut pas laisser le peuple avancer. Il faut garder quelque part cette forme coloniale dans son propre pays, et aujourd'hui on peut l'appeler du néocolonialisme. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu, mais c'est un peu ça. En ce qui concerne Mehdi Ben Barka, c'est tout d'abord un militant. J'ai parlé de ses convictions, etc. Et donc c'est une personne à part. Oui. À part, qui a appris, qui a compris la révolution, qui a voulu aller dans le sens de la révolution, et il est devenu un symbole.
un symbole pour le peuple marocain. Et le problème qu'il y a, c'est que en ayant ce passage de militant à symbole, il est devenu gênant. Il dérange un ordre établi. L'ordre établi, c'est donc le monde tel que perçu, notamment par les puissances colonisatrices, dont la France. Et c'est là, ce point-là, quand on est devant cette situation où quelqu'un dérange l'ordre, il y a des options qui s'offrent à nous. On peut donc soit essayer de récupérer la personne, hein, en lui proposant éventuellement des postes, et je crois que ça a été déjà fait dans le cas de feu Mehdi Ben Barka. Et le problème, c'est que quand la personne concernée devient imperméable à ce genre de récupération, de tentative de... il y a un autre procédé qui est donc l'élimination, la liquidation de la personne. Ouais. Et je crois qu'on est arrivé avec Mehdi Ben Barka à ce stade. Le roi du Maroc est arrivé dans sa réflexion, bien sûr il n'était pas seul, il était encadré, à ce qu'il soit éliminé, où devait prendre place l'attentat, d'où le titre du film, et qui va procéder à l'élimination. Ouais. Et dans le procédé d'élimination, nous avons donc là un jeu d'alliance, parce que s'agissant de cibler où se trouvait Ben Barka, je crois que le Mossad s'en est occupé, comme ça a été souligné auparavant. Ouais. Le Mossad qui, avec Al-Makhzen, avait des relations depuis pratiquement la création de l'État d'Israël. Beaucoup d'activités ont été, il y a celles qui sont connues et celles qui demeurent secrètes à ce jour. Ce n'est pas par hasard que le Makhzen puisse déboucher sur un système Pegasus pour pratiquement épier le monde. Ces armes, on ne les donne pas à n'importe qui. On renvoie l'ascenseur, on a confiance, l'interlocuteur est crédible. Aux yeux, par exemple, de l'autre partie. Oui. Donc, Mehdi Ben Barka est venu déranger l'ordre établi et par conséquent, ne pouvant pas le récupérer, il fallait à tout prix l'éliminer. Et c'est là, dans ce système d'alliance, on a vu différentes intelligences, donc Mokhabarat, que ce soit française ou que ce soit le Mossad, marocaine, et les alliances qui ont été donc tissées avec le milieu mafieux, les gangs, et c'est là où ça devient très intéressant à analyser, c'est que la police française était mêlée, puisque on a interpellé les agents qui ont donc interpellé Mehdi Ben Barka étaient des policiers français puisqu'ils ont exhibé leur carte professionnelle avant de lui poser des questions, notamment est-ce que vous avez un travail précis en France, est-ce que vous êtes venu pour de la politique, etc. Et ensuite, le piéger convenablement en l'attirant vers le véhicule, en lui disant que voilà, nous allons vous faire rencontrer des gens avec qui vous avez des rendez-vous. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans le piège. Il y a eu un guet-apens, mais gardons à l'esprit que c'est un symbole qui est devenu un symbole donc international, universel, qu'on regarde, qu'on essaye de comprendre, parce que la tricontinentale est importante. Là, on voit aussi que ce n'est plus une affaire africaine, c'est une affaire asiatique, c'est une affaire latino-américaine, et donc le colonialisme était vraiment en danger, il était en situation de survie.
Et quand on est en situation de survie, on essaye de gesticuler dans tous les sens et d'utiliser pratiquement n'importe quoi pour arriver à ce qu'ils ont fait à notre Mehdi Benbarka, parce que moi c'est un capital en ce qui me concerne, ses idées, ses principes, etc. C'est un capital, et le fait de l'avoir torturé et ensuite fait disparaître, mais la manière, parce que on y viendra par la suite, mais ce qui est à relever déjà, c'est que nous sommes devant un enlèvement, nous sommes devant une séquestration, nous sommes devant de la torture, et nous sommes devant un assassinat, donc un meurtre avec préméditation. Et tout cela, ça constitue des crimes qui passerait en cours d'assises, comme on le dirait, de l'autre côté de la Méditerranée, ou chez nous, devant la criminelle, et qui irait de 10 ans à une condamnation à mort. Vous avez parlé du moins chez nous. Pegasus, bien sûr, c'est dire que le régime du Marzem continue, Hassan, à pratiquer cette méthode criminelle, sauvage, barbare, voyou. J'ai envie de vous faire réagir, justement, M. Radouane Khalif, sur cette séquence-là. Vous avez un commentaire à dire par rapport, justement, au contexte de l'époque, et puis à l'importance du monsieur. Et puis on arrivera au systémisme, Hassan, de la violence, de ces crimes, de ces complots, aux connexions mafieuses et aux connexions avec des voyous, des bandits, pour accomplir des tâches répugnantes, tout simplement. Aussi, pour comprendre tout ça, il faudrait voir le parcours de Mehdi Benbarka. En 1944, il était co-signataire d'un appel à l'indépendance du Maroc, qui lui a valu 2 ans de prison sous le régime colonialiste. Oui. Il a aidé Mohamed V dans son investiture. Et il était prof de maths au Collège Royal, il était le professeur de Hassan II. Et donc les choses ont commencé un peu à mal tourner quand Mehdi Benbarka a fondu l'UNFP, l'Union Nationale des Forces Populaires. Et donc il était très suivi, et il aspirait, comme beaucoup, dans d'autres militants et opposants, à un Maroc meilleur. Mais ce qui a déclenché la rage de Hassan II, c'était la dénonciation de Mehdi Benbarka de l'invasion marocaine des terres algériennes. Ce qui lui a valu aussi une condamnation à mort par contumace. Et donc il a eu une deuxième condamnation à mort pour complot contre le royaume. Il était sujet à un premier attentat au Maroc dans les années 1960, ce qui l'a poussé à l'exil. Donc après, c'est devenu une menace, parce que c'est devenu un homme d'une envergure internationale avec la tricontinentale, qui devait se tenir en janvier 1966. Oui. Son assassinat, c'était le 29 octobre, un vendredi 29 octobre 1965, en pleine campagne présidentielle française. Donc en faisant une petite analyse, on comprendrait ce qui s'est passé, et que l'homme est devenu une menace pour des régimes qui avaient à assouvir d'autres ambitions en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Un complot avec Lopez, qui était après le témoin dans un documentaire de l'INA, qui a tout relaté, avec 2 policiers, un truand. Le sort de Mehdi Benbarka était scellé ce vendredi-là dans cette 403 noire. Mais l'importance du cinéma et le courage des cinéastes a permis que cette histoire soit transmise de génération en génération, dans tout le monde, pas seulement au Maroc, pour que le mythe Mehdi Benbarka reste toujours d'actualité et dénonce les pratiques du Marzen, qui sont les mêmes jusqu'à aujourd'hui, même avec le roi héritier. Et donc on doit tirer beaucoup de leçons de ça, et comme je l'ai dit auparavant, et mettre un pare-feu pour immuniser et protéger nos futures générations contre toute distorsion de l'histoire.
Hassan Arab, ça, je vous ai réservé cette partie parce que vous connaissez très très bien cette histoire. Vous avez déjà préparé et diffusé une émission sur l'affaire Ben Barka. Et justement, M. Redouane parlait de Lopez, parlait de Boutsech, qui sont en fait des personnages sulfureux, des connexions avec des bandits, des voyous, voire avec des policiers ripoux. Plein de connexions. On est même arrivé avec ce régime du Marzen à amadouiller, excusez-moi les termes, ouais. Parce que je tombe aussi dans cette bassesse, peut-être à travers la lecture ou les différents documentaires que j'ai pu voir, des journalistes auxquels peut-être on a mis de la pression pour pouvoir le faire venir de Genève pour faire soi-disant un documentaire qui s'appelle Basta. Contre le colonialisme. C'est un documentaire anticolonialiste. Vous voyez un petit peu l'ironie de ces gens-là, comment ils se moquent de ceux qui veulent arriver à une émancipation des peuples. Hassan, je veux que vous me disiez un petit peu les méthodes. D'où s'inspire ce régime du Marzen? Comment il arrive justement à être dans ces bas-fonds, excusez-moi, parce qu'on travaille, on négocie avec des voyous, avec des brigands, avec des bandits? Ce procédé, à l'époque, on est en 1965, fin de l'année 1965, ces procédés, à l'époque, étaient gérés par un département officiel marocain. C'était le ministre de l'Intérieur. C'était le général Oufkir. C'était Oufkir, exactement. Mmh. Donc Oufkir, qui était justement en contact avec Lopez bien avant l'arrestation, bien avant ce fameux guet-apens à Paris du 9 octobre 1965. Mmh. Et parce que Lopez aurait soufflé l'idée de la liquidation de Mehdi Ben Barka par des procédés peu orthodoxe. Je cite la phrase parce que c'était Lopez qui avait rapporté cette affaire. Elle a été reçue par Oufkir, je pense, à Casablanca, avec lequel il avait discuté et préparé éventuellement le complot. À Paris, il va y avoir Lopez, c'est un agent des renseignements français, de STES. Et puis, vous avez un autre type, 15 jours avant l'arrestation, avant le guet-apens de Ben Barka, Figon en particulier, qui avait dit, pour faire disparaître Ben Barka, nous avons exigé 100 briques. Et puis dans un café, il leur a dit que l'affaire a été annulée. Mais le 29 octobre, Mehdi Ben Barka avait un rendez-vous dans cette brasserie, le LIP, à Paris, au boulevard Saint-Germain. Donc, plein cœur de Paris. Hein. Plein cœur de Paris. Et il avait un rendez-vous avec un étudiant marocain, Azmouri. Et Azmouri, il lui a parlé de son rêve de revenir au Maroc, de revoir le système économique, etc. Il espérait, il avait de l'espoir de rentrer chez lui. Parce qu'on doit signaler que Mehdi Ben Barka avait reçu un envoyé officiel du roi du Maroc, en la personne de Moulay Ali, qui est allé le voir à Francfort pour lui proposer justement un éventuel retour. Et je pense, certains disent que c'était déjà un piège. Hassan II voulait le faire venir au Maroc pour justement l'assassiner, le liquider au Maroc. Il lui a dit, pour le moment, je ne peux pas rentrer parce que je suis très très occupé à préparer cette intercontinentale. Donc on est le 29 octobre à Paris. Moi je dirais que il y avait trois polices qui ont procédé à l'enlèvement. Il y avait la police officielle, c'est-à-dire deux agents de la police française, en la personne de Souchon et Voiton. Vous avez la police secrète, Lopez, et vous avez la parallèle, c'est-à-dire la pègre, c'est Figon. Figon, il a fait croire à Ben Barka qu'elle était sur un projet d'un documentaire qui portait sur la décolonisation. Oui. Et un documentaire dont le scénariste était Marguerite Duras, pour vraiment le faire venir. Et on doit souligner que
que Mehdi Ben Barka devait rencontrer De Gaulle le 30 octobre, c'est-à-dire c'était le lendemain. Et les deux policiers français se présentent donc à la brasserie. On lui a dit, voilà, nous savons que vous avez un rendez-vous politique. Est-ce que vous pouvez venir comme ça, nous allons vous y conduire. Mehdi Ben Barka pensait vraiment à ce rendez-vous avec Charles de Gaulle quand il était dans cette fameuse voiture noire. Et puis, lorsqu'il a vu que ces deux policiers ont pris l'autoroute du Sud, il s'est rendu compte que c'était un guet-apens. Donc il a été, pour raconter un petit peu rapidement, il a été accompagné à une villa. Et la villa, il appartient, c'est la villa donc Frontenay de Vicomte, elle appartient à un tristement célèbre, un individu du milieu, Sèche-Bouche, plus connu sous le pseudonyme de Bonne-Bouche. C'est la terminologie de la mafia, de la pègre, voilà, c'est la terminologie du milieu, c'est exactement ça. Donc, et là, Bonne-Bouche, on doit dire qu'il avait fait partie de la Carlingue, c'est-à-dire la Gestapo française, ceux qui assassinaient les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était on les appelait les vendus. Oui. Et sur place, c'est important, on a fait venir Ben Barka. On a fait venir le général Oufkir, qui a été contacté la nuit, mais il ne pouvait venir que le lendemain, le 30. Le 30, il arrive. Où est le Ben Barka? On lui a dit qu'il était au premier. C'est Gilles Perroux qui raconte qu'il tire un couteau marocain, s'il vous plaît. Donc, et poignarde Ben Barka. Ah non, il le tire avant d'aller le voir. Et puis il a commencé à le saigner au niveau de la gorge et de la poitrine. Pourquoi je parle de ce canif? C'est-à-dire, ceux qui ont connu la fameuse villa Al-Mokri, c'était les mêmes pratiques. Ce Oufkir torturait personnellement les opposants marocains. Et on dit d'ailleurs, faire de la politique sous Hassan II, on risquait la mort, la disparition. Justement, vous me tendez la perche pour questionner Mustapha Adib, qui est en train d'écouter, j'imagine, avec beaucoup d'intérêt, le débat sur le plateau de notre émission spéciale. Et on parle du systémisme de la violence, de la torture, de ces pratiques moyenâgeuses où n'échapperaient pas, bien sûr, toutes les classes du peuple marocain. Les tranches d'âge, elles sont diversifiées. Les familles sont enterrées. On se rappelle de l'assassin assassiné, justement, Oufkir. Qu'est-ce qui s'est passé pour sa famille dans la prison de Tazmamart? Mustapha, vous qui êtes militant, opposant, exilé, est-ce que vous pouvez nous faire votre témoignage, justement, sur ces agissements et pratiques violentes, tortures, persécutions par le régime du Marzen? Oui, tout à fait. Alors, ce régime installé, je le redis, par la France au Maroc, il est toujours protégé aujourd'hui. Ce n'est pas une kleptocratie, mais plutôt c'est une mafiocratie. Et depuis 1912 à aujourd'hui, au Maroc, nous avons une mafia au palais, une mafia dans l'armée, une mafia dans l'économie, une mafia maintenant aussi dans l'enseignement et dans la santé. C'est une pyramide, c'est une mafiocratie. Si vous êtes mafieux, vous allez avoir votre place dans le système. Si vous n'êtes pas mafieux, il va falloir la fermer et subir les desiderata de cette mafia. Si quelqu'un s'oppose à ce régime légitimement, nous avons le droit de s'y opposer, nous avons le droit de rêver aussi, de voir un meilleur avenir pour notre progéniture. Si vous avez ce genre de vision, vous êtes un danger pour ces mafias-là, pour toutes ces mafias, quelle que soit la mafia, du palais jusqu'aux petits mafieux installés partout. Quand vous parliez quand votre invité parlait du général Oufkir, c'est un officier français à la base, c'est un lieutenant français qui a été muté à la sous-armée française, qui est l'armée marocaine, pour y travailler sous l'égide de Hassan II. Votre invité l'a très bien décrit.
comment ils font torturer les Marocains à l'époque de Hassan II. C'était cruel, et d'ailleurs Charles de Gaulle l'avait dit concernant Hassan II, il avait dit que Hassan II était inutilement cruel. Alors je me demande pourquoi Charles de Gaulle n'a pas sorti ses armes et ses moyens pour arrêter Hassan II. C'est passé depuis Charles de Gaulle, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à François Hollande, qui n'avait déclassé que 89 pages des dossiers secrets concernant l'enlèvement et la disparition de Mehdi Moubarka. Sur ces 89 pages qui n'ont rien apporté de nouveau au juge d'instruction, on voit aujourd'hui la France, elle est toujours complice de ces crimes et de cette oppression que subissent les opposants au Maroc. Si moi je suis aujourd'hui exilé, oui, c'est parce que si je rentre au Maroc, je suis quasiment sûr que je vais encaisser au moins un siècle de prison. Parce que là, il y a eu quand même un changement dans la méthodologie de ce régime, de cette mafia. Au début, c'était Dar al-Moqri, c'était Tazmamart, c'était les disparitions forcées. Et aujourd'hui, je dois reconnaître qu'on n'en a pas beaucoup. On a quand même certaines disparitions. Il y a eu des assassinats, comme celle du ministre Daha, qui a été, on ne sait pas, il a été heurté par un train, alors que le gars, il est dans la soixantaine ou le 70 ans. Je ne sais pas comment un train pourrait heurter quelqu'un, un ministre en plus. Il y a eu un député qui s'est retrouvé coincé dans sa voiture dans une sorte de tunnel en bas d'une autoroute où il y avait un fleuve qui subitement le niveau d'eau dans le fleuve, il y avait une crue, donc le niveau d'eau était élevé et ce député est mort. Donc nous avons encore des assassinats au Maroc, mais la nouvelle pratiquée par ce régime aujourd'hui, c'est plutôt les faux procès. Ça veut dire qu'on arrête quelqu'un, on lui colle un procès sexuel, une relation extra-conjugale par exemple, même fausse qu'elle est, et donc on le met en prison parce que justement il y a une mafia aussi dans la justice marocaine. Ouais, et donc nous subissons ces violations jusqu'à aujourd'hui. Il y a de la vengeance, il y a une méthodologie, j'allais dire, de bandits et de voyous, voilà, c'est malheureux de le dire. Aujourd'hui, j'ai lu, messieurs, un témoignage marquant et frappant du fils de Bambarka qui témoignait dans une interview accordée à un journaliste français où il disait « Moi, je n'ai vu mon père qu'une année, je me rappelle de mon père qu'une année, monsieur Kamel Filali. » L'enfant parlait de cette année en Égypte, où peut-être il a vu son père, pu l'approcher, pu le tenir dans ses bras, pu avoir cet amour parental. Et je pense à tous ces exilés, peut-être, qui n'arrivent pas à voir leur pays, à approcher leur famille. Comment expliquez-vous tout cet acharnement, toute cette violence menée par quelqu'un qui se prétend Amir al-Mu'minin? Dans notre islam, dans notre religion, ces valeurs-là n'existent pas. On bafoue les valeurs de l'humanité et on bafoue même les valeurs de notre Saint Coran. Et j'ai choisi ce verset parce que, comme je disais tout à l'heure, Hassan, l'assassin assassiné, Oufkir, sa famille, qui n'avait rien à voir avec, je parle de ses enfants, de sa famille, ils ont été enterrés, la famille a été enterrée vivante dans les geôles et les sinistres geôles de la prison Tazmamart. Et je vous en dis pas plus par respect aux téléspectateurs de ce qui s'est passé. Monsieur Kamel. C'est vrai, c'est l'horreur. Mmh. C'est l'horreur et c'est pour ça que des films pareils, l'image, il y a un message qui est transmis, mmh, et c'est celui de lutter contre ce type d'horreur. Mmh. Là, vous venez d'évoquer par exemple, Bachir, je crois qu'on parle de Bachir, Bambarka, qui est le fils donc de... Et là, il était enfant. Et les enfants ont des droits. Les enfants ont des droits. Et on a violé les droits de l'enfant. On l'a privé de l'affection de son père. On l'a privé pratiquement de tout. Pratiquement de tout. Mmh. Pourquoi je parle de l'enfant? C'est-à-dire que quand cette machine se met en marche, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de vieillards, ni de femmes. Donc,
tout est permis pour la sauvegarde de l'ordre établi. Et l'ordre établi, c'est le système dont vous parliez. Totalitaire, expansionniste. Voilà, totalitaire, et donc capable d'utiliser tous les moyens pour rester en place. Et c'est là où on voit l'évolution dans la méthodologie. Mmh. Et le systémisme. La méthodologie des années 60 n'est plus la méthodologie qu'on usitait aujourd'hui, dans le sens où il n'y avait pas les mêmes moyens. Mmh. Prenons par exemple les médias, avec les réseaux sociaux, etc. Tout se sait, etc. Et c'est pour ça que certains régimes sont obligés, tels que le Marzen, il est obligé d'essayer de sauvegarder cette image, non seulement leur propre image, mais l'image de ceux qui les soutiennent. Mmh. Et ceux qui les soutiennent se trouvent en Europe, se trouvent au Golfe, se trouve en Afrique, et j'ai l'impression que ce monstre a été identifié par l'Algérie en tant qu'État. Ce monstre qui est constitué par plusieurs, hein, imaginez un monstre avec plusieurs bras, etc., qui essaie de nous broyer, nous l'avons compris. Nous savons ce qui se passe. Et nous essayons par nos moyens, qui sont humbles, de dire non, ça ne se passera pas comme ça avec nous, et nous essayons de passer le message, de vraiment faire de la pédagogie avec les États africains, du moins ceux qui souhaitent comprendre le leitmotiv, hein, le modus vivendi de l'Algérie. Donc ce comportement de violents, de brutaux, ça a été toujours dans la tradition, dans leur tradition, et ils continuent en essayant de changer la méthodologie, c'est-à-dire on essaye un petit peu, hein. Il y a eu une fin de l'histoire, fin du colonialisme, maintenant c'est une nouvelle histoire qui a commencé, hein. On va donc adapter de nouveaux moyens, de nouvelles mesures, pour justement aller de l'avant. Pour aussi, je souhaiterais rebondir sur la question qui m'a été peut-être adressée par notre ami Mustapha Adib. Ouais. Oui, sur le protectorat, etc. Le protectorat est un acte unilatéral de la part de l'État qui exerce donc le pouvoir. La France étant au Maroc, étant en Tunisie, ils ont décidé que ça soit un protectorat parce qu'il y a moins de demandes par rapport à leurs obligations en étant un État protecteur. L'Algérie a été considérée comme faisant partie du territoire français, et donc il y avait d'autres obligations et des exigences, et c'est pour cela que le protectorat, qui commence avec un acte unilatéral du colonisateur, se termine aussi de manière unilatérale. Pourquoi ? Parce qu'il ne faudrait pas aussi confondre entre le protectorat et le mandat. La Namibie était un pays sous mandat. Là, on doit passer par les Nations Unies et appliquer donc les articles de la charte. Dans le protectorat, c'est pratiquement une relation bilatérale entre le colonisateur et donc je ne dirais pas autorités, mais les personnes qui ont été désignées pour gérer ce territoire, oui, au départ du protecteur. Oui, Hassan, je voulais juste rapidement mais rappeler qu'il y a eu aussi des manifestations d'étudiants où l'EFKIR justement a tiré sur des étudiants, des civils. Il y a eu des dizaines de morts. Ça, c'est pour montrer un petit peu encore le systémisme de la violence et des méthodes. Hassan, un dernier mot, je vais faire le tour une précision par rapport à ce qu'a dit notre ami Mustapha Adib.
On doit souligner qu'il y avait un rapport exécrable entre Ben Barka et Oufkir. Et Ben Barka avait traité publiquement Oufkir de mercenaire, parce qu'il le raillait, parce qu'il portait plusieurs médailles françaises sur sa poitrine. Il lui a dit, voilà, vous êtes, c'est une quincaillerie de mercenaires. Pour vous dire un petit peu l'acharnement, c'est pourquoi il y avait un acharnement. Mais Oufkir, il y avait ce procédé, on emprisonnait même des enfants. Il y avait des enfants à Tezmemet, mais aussi au PC d'El-Kénitra. Et certains pensaient que le PC c'était un poste militaire, or c'était la prison centrale de Kénitra. Je ne sais pas si on peut ouvrir une parenthèse ici sur les méfaits d'Oufkir. C'est que c'était un agent français, il était structuré. Oui. Hein, déjà il travaillait avec eux et ensuite à l'indépendance il s'est reconverti au service du roi. Mais il était là aussi pour gérer l'affaire algérienne. Tout ce qui se passait donc concernant nos Algériens qui se préparaient donc dans les frontières ou à l'intérieur de l'FBI, etc., pour réagir justement à la colonisation, Oufkir était là pour des comptes rendus donc bien documentés. Oui, c'est pour vous, monsieur Redouane. Moi, je rajouterais que... Ça va être le dernier mot, hein, parce qu'on arrive justement à la fin de cette émission. Par rapport à la production cinématographique dans ces années-là, aujourd'hui, il y a aussi un autre fléau sur lequel compte beaucoup le Nizam de Marzen, ou Tatim El-Alami. Vous avez parlé de révolte des étudiants. Il y a plusieurs manifestations aujourd'hui au Maroc qui ont démarré au RIF et qui se sont étendues aux autres régions du pays, qui demandent de nouveaux slogans. Jalalatulillah, Isqat al-Nizam. Et donc là, avec le lobby sioniste et beaucoup de complicité, ils sont en train d'étouffer cette révolution. Mais je pense qu'une volonté d'un peuple gagne toujours à la fin. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique. Bien sûr, je m'adresse à Mustapha Ed à Washington. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie, monsieur. Je vous laisse, bien sûr, le temps de vous exprimer avant la fin de cette émission. Merci beaucoup. J'ai un appel à lancer, non pas aux autorités françaises ou à la justice française, mais plutôt au capitaine Ben Slimane, le général Ben Slimane, qui était à l'époque capitaine. C'est une clé de voûte dans cette histoire. Alors je voudrais lui dire, mon capitaine, pas mon général, prenez votre courage à deux mains et allez voir le juge d'instruction pour éclairer une fois pour toutes cette affaire. C'est ce que vous faites là en vous éclipsant est indigne. Un officier ne doit pas agir de la sorte. Alors mon capitaine, mon général, prenez votre courage et allez voir le juge d'instruction, car il y a une famille qui attend toujours à faire son deuil, et il y a aussi des opposants et une histoire à réécrire. Et merci pour m'avoir invité à votre émission. C'était bien sûr le message de M. Mustapha Adib qui était en direct avec nous par Skype à partir de Washington. Encore une fois, messieurs, merci d'avoir partagé avec nous cette soirée spéciale qu'a proposé, vous a proposé à vous, chers amis téléspectateurs, la télévision algérienne à travers la diffusion. On a vu le film de Yves Boissé, L'attentat sur l'affaire Ben Barka, avec des comédiens encore une fois engagés auprès des causes justes et qui sont dénonciateurs, comme les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire et qui ont dénoncé ces faits-là. Mouchahidina à la canette Al-Watania الأولى على قناة الذاكرة شكرا لمتابعتكم وشكرا على استضافتكم لنا exceptionnellement comme on dit en arabe en français استثنائيا voilà j'y arrive nous espérons que vous avez passé une excellente soirée avec nous sur les scènes de la télévision algérienne. Merci à la Régie 1 de nous avoir soutenu ce soir. Merci à Nabil Tribesh d'avoir réalisé cette émission. Au revoir. Voilà. Merci.